Bonsoir à tous, très chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui nous recevez ce soir, nous sommes aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, le lundi 11 avril 2022 et nous sommes en direct sur Réveil Télévision. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, voilà, qui nous garde et qui nous a donné le souffle de vie en ce jour pour pouvoir partager sa parole dans la simplicité. Donc voilà, c'est une émission que le Seigneur m'a mis à cœur de faire avec vous aujourd'hui. On l'a annoncé et voilà, nous voulons partager en toute simplicité la parole avec nos frères et nos sœurs pour l'édification. Voilà, donc le Seigneur est bon. Il est vrai que pendant un temps, nous avons été absents et que beaucoup se sont plaints que ce sont les mêmes émissions qui repassaient. Nous comprenons, mais en même temps, nous souhaitons expliquer aux frères et aux sœurs que vous savez, nous servons le Seigneur et nous nous efforçons de ne pas le faire charnellement. Certes, qu'il peut arriver que nous ayons des manquements, que nous puissions, il peut nous arriver de nous tromper, voilà, parce que nous sommes des hommes, il n'y a que le Seigneur qui ne se trompe pas, mais nous nous efforçons de ne pas le servir charnellement, d'attendre le temps favorable pour toutes choses, et nous croyons que c'est le temps favorable pour le Seigneur, pour que nous puissions reprendre davantage avec les émissions, au moins deux, des émissions par semaine, sinon parfois trois, sinon parfois quatre, selon que le Seigneur permettra, parfois même des émissions en pleine journée, si le Seigneur permet. Voilà, donc on n'aura pas des émissions que le soir, on peut avoir des émissions même à midi, même à 10h, même à 14h, selon que le Seigneur permettra. Voilà, il y a des émissions qui seront annoncées, il y aura parfois des émissions qui seront improvisées à l'instant où le Seigneur permettra que les émissions soient faites. Donc nous bénissons le Seigneur et nous allons prier pour le partage de la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, notre Elohim et notre Roi, nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, ta parole est la vérité, c'est elle qui transforme nos cœurs, qui transforme nos vies. Au nom puissant de Yahushua, Seigneur, je prie véritablement que tu te glorifies. Seigneur, ce soir, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos âmes. Au nom puissant de Yahushua, notre Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, Papa. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, donc nous sommes en direct sur Réveil Télévision et ce soir nous allons partager sur l'importance d'avoir une bonne femme. J'avais prévu partager autre chose, mais ça passait pas dans mon cœur, je sentais que le Saint-Esprit voulait que je partage autre chose. Vous voyez, donc on essaie de se laisser conduire par le Seigneur. L'importance d'avoir une bonne femme en tant que chrétien et aussi en tant que non-chrétien, voilà, parce que le mariage est une institution que le Seigneur a donnée aux hommes, à tous les hommes, à toutes les femmes, voilà, que l'on soit chrétien ou pas, mais encore plus quand on est chrétien, hein, le choix du conjoint, de la femme, est quelque chose d'assez capital. Alors, sans plus tarder, on va tous regarder ensemble dans les Écritures, on va lire un passage dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18, On va lire à partir du verset. Alors, on va lire à partir du verset 17. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 17. Alors, on va attendre que la régie nous affiche le passage biblique. Merci. Shaoul dit à David : Voici, je te donnerai Merab, ma fille aimée, pour femme. Mais sois pour moi un fils talentueux et conduis les guerres de Yahweh. Car Shaoul disait, que ma main ne le touche pas, mais que ce soit la main des Philistins. Verset 18, David répondit à Shaoul, qui suis-je et quelle est ma vie et ma famille et la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi. Verset 19, or il arriva qu'au temps où l'on devait donner Merab, fille de Shaoul à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méloa. Mais Milka, fille de Shaoul, aima David. On en informa Shaoul, et la chose fut bonne à ses yeux. Verset 21. Et Shaoul dit, je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège. Afin qu'elle soit pour lui un piège. Et que par ce moyen, c'est-à-dire par le moyen de cette femme, la main des Philistins l'atteigne. Shaoul dit à David pour la seconde fois, tu seras aujourd'hui mon gendre. Alléluia. Ici, on connaît tous le contexte. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le rappeler. Il s'agit de David, d'accord, qui avait été établi roi sur
qui avait été établi, qui avait d'abord été oint, pardon, désolé. Il y avait Shaoul qui avait été établi roi sur Israël. C'était le premier roi. Parce que le peuple avait demandé à Elohim de leur donner un roi, comme les autres nations. Parce que le roi, à l'époque de la nation juive, c'était lui-même le Seigneur. Et le peuple s'était rapproché de Samuel et avait dit qu'il voulait un roi. Et le Seigneur va leur donner Saül. Et Saül va déshonorer le Seigneur et il va être rejeté. Et David va être oint pour succéder, pour remplacer Saül en tant que roi. Et quand Saül va se rendre compte que David avait l'onction sur sa vie, il va tout faire pour que David puisse mourir. Et pour lui, il envoyait David dans les guerres, c'était pour que David puisse mourir. Au départ, c'est parce qu'il voulait que David soit un de ses généraux et que David remporte les batailles à la gloire de son nom. Sauf que la chose s'est renversée en sa défaveur et a été à la faveur de David. Et par la suite, il va vouloir tuer David, il va vouloir que David meure. Et donc, l'une des façons pour lui de tuer David, c'était de donner à David une de ses filles. Et quand on revient sur le passage biblique, si on peut nous l'afficher à nouveau, vous voyez, David, la Bible nous dit que Saül va dire, d'accord, que pour pouvoir atteindre David et que David soit tué par les Philistins, l'un des moyens que David avait d'être atteint et que Saül avait de faire atteindre David par les Philistins, que l'onction de Dieu le quitte, c'était de lui donner une mauvaise femme, en fait. Alléluia. Et ce texte est riche d'enseignements. Au verset 21, la Bible nous dit, et Shaul dit, je la lui donnerai. Parce qu'il s'est rendu compte, on lui a dit que ta fille est amoureuse de David, elle veut bien être allée en mariage à la place de sa sœur. Et quand Shaul a pris ça, il s'est dit, ah, mais ça c'est une très bonne idée, parce que cette fille, je la connais, avec le caractère qu'elle a, elle pourra être une pierre d'achoppement pour la vie de David. Et la Bible nous dit, je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège et que ce soit et que par ce moyen la main des Philistins l'atteigne. Shaul dit à David pour la seconde fois, tu seras aujourd'hui mon gendre. Donc voilà un homme oint par le Seigneur, appelé par le Seigneur, qui a reçu l'onction, qui a reçu clairement du Seigneur un appel pour le servir, pour être roi. Une lourde responsabilité, diriger le peuple d'Élohim, conduire le peuple d'Élohim vers l'adoration, conduire le peuple d'Élohim vers la crainte de son nom. Cet homme, d'accord, a été piégé par son roi, par son maître, et va lui donner une femme en son sein qui était pour lui une carie. Et on va le voir plus tard, quand on lit la suite de l'histoire, quand David va être oint pour roi, après la mort de Saül. On va voir que lorsque David adorait son Elohim, lorsqu'il faisait rentrer l'arche de l'Alliance, d'accord, dans la ville, combien de fois pendant qu'il adorait le Seigneur, il sautait, il dansait, sa femme va le mépriser. Elle va dire comment le roi peut se comporter comme ça là. Et la Bible nous fait comprendre que le Seigneur va fermer la matrice de cette femme. Vous voyez? Que le Seigneur va fermer la matrice de cette femme à cause de son comportement. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des femmes. Si vous les mettez vous les prenez pour femmes, frères, tant que le Seigneur n'a pas fini de les façonner, de les travailler, tant que le Seigneur n'a pas donné le mandat pour les prendre en tant que femmes, que vous les mettez à vos côtés, vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire tout ce que le Seigneur veut faire pour vous. Tout ce que le Seigneur a prévu pour vous va être détruit. Pourquoi ? Parce que vous aurez pris à vos côtés la mauvaise personne. Vous aurez pris à vos côtés la mauvaise personne. Regardez. Merci Seigneur. On va lire encore un autre texte dans le livre des Juges. Alors Juges, on va lire Juges chapitre 16. On va lire à partir du premier verset. Juges chapitre 7 à partir du premier verset. Or, Shimson ou Samson s'en alla à Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Voilà quelqu'un appelé par le Seigneur, oint par le Seigneur, qui était un Naziréen, quelqu'un qui avait l'obligation de se sanctifier,
de ne pas boire de liqueur forte. Quelqu'un qui avait reçu l'onction pour la délivrance d'Israël, mais qui n'était pas discipliné, qui n'était pas attentif à la volonté du Seigneur. Et la Bible nous dit, il va voir une femme prostituée, il ne va pas se limiter à la voir et à la convoiter. La Bible dit, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Shimson est venu ici, ils l'entourèrent et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il resta tranquille toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 3, Shimson demeura couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il s'éleva, saisit les battants des portes de la ville et les deux poteaux, les retira avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et il arriva après qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek. Son nom était Dalila. Donc voilà, il avait un problème de discipline sexuelle, de discipline dans la marche chrétienne, de discipline dans sa vie. Et voilà là où vous allez voir la mort de Samson. La mort de Samson va venir des femmes. Et pas de n'importe quelle femme, d'une femme qui s'appelait Delila. Au verset 5, la Bible nous dit, « Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force. » Et comment pourrions-nous le vaincre? Nous le lierons pour l'humilier et nous te donnerons chacun. Chacun, ça veut dire chaque prince, chaque seigneur des Philistins avait promis lui donner 1100 sicles. Ça veut dire que s'ils étaient 10 princes, elle devait avoir 1100 sicles multipliés par 10. Dalila était devenue riche. Elle allait devenir riche dès que sa mission était accomplie. Vous voyez? Et par la suite, la Bible nous dit au verset 6, Dalila dit à Samson, « Dis-moi, s'il te plaît, en quoi consiste ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre ?» Pour t'abattre. C'est-à-dire que Samson était devenu tellement aveuglé par les sentiments charnels qui étaient dans son cœur qu'il ne se rendait même plus compte qu'on lui demandait de livrer le secret de sa relation avec Yahweh, avec Elohim. Comment on devait faire pour l'éloigner d'Elohim ? Mais c'est grave. Comment rester avec une femme qui te demande comment elle peut faire pour te détruire dans la vie chrétienne. C'est terrible. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens envoyés par Satan dans les églises, des femmes, et aussi des hommes, mais ce soir particulièrement, sans vouloir indexer les femmes, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui prend la décision d'aller vers la femme et de choisir la femme. Et la femme est libre d'accepter ou de refuser. Mais c'est l'homme qui prend la décision d'épouser une femme. Ce n'est pas l'homme, sa femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. Vous voyez? Et donc, dans les églises ou dans la vie de tous les jours, même pour ceux qui ne sont pas convertis, il y a des gens qui font des mauvais choix et souvent les payent très, très cher. Très, très cher. Vous voyez? Et donc, le but là, ce soir, le Seigneur veut nous interpeller sur le choix du conjoint, sur les conséquences d'un mauvais choix et ce que ça peut causer comme dégâts dans la vie d'un homme et éventuellement le discernement que nous devons avoir, frère, sœur, homme, toi qui m'écoutes, par rapport au choix de ton conjoint, ta conjointe, de ton épouse, de la femme avec qui tu veux vivre. Évidemment, ça ne regarde pas les gens qui sont déjà mariés. Si tu es déjà marié, que tu as fait un mauvais choix, bibliquement, tu ne peux plus te séparer. Il n'y a que la mort qui peut vous délier. Tu assumes ton choix et tu pries le Seigneur qu'il change ta femme pour qu'elle se convertisse et que son cœur soit transformé par Jésus. Donc, il n'y a pas de divorce. On est au moins clair dessus. Bibliquement, il n'y a pas de divorce. Donc ça, ces propos, cet enseignement s'adresse à ceux qui ne sont pas encore mariés. Qui ne sont pas encore mariés, qui aspirent au mariage. Alléluia. Donc, quand on revient sur le passage de Juges, au verset 7, la Bible nous dit, « Shimson lui répondit, « Si on me liait avec cette corde neuve, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. » Les seigneurs des Philistins amenèrent à Delila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Elle le lia. Or, il y avait chez elle, dans une chambre, des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Shimson. » Alors, il rompit les cordes comme se romprait un cordon d'étoupe dès qu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut pas connu. Puis Dalila dit à Shimson, «
Voici, tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges. S'il te plaît, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Et elle va insister. Donc, on va descendre plus bas. On va descendre. Voilà, on descend. On descend. Voilà, on va au verset 15. Alors, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Tu t'es moqué de moi trois fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Verset 16. Et il arriva, comme elle le pressait et l'importunait tous les jours par ses paroles, que son âme s'impatienta jusqu'à mourir, à en mourir. Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen, l'Élohim d'Élohim, dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force partirait et je deviendrai faible et je serai comme tout humain. Dalila, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les seigneurs des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son cœur. Les seigneurs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle a dit qu'elle lui a certainement fait un bon repas, raconté des belles histoires, fait ce qu'elle pouvait faire. Et ayant appelé un homme, elle le rasa. Ça dit qu'au point où elle a endormi Samson, où on le rasait pendant qu'il dormait, il ne s'est même pas rendu compte. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que je ne sais pas comment on peut raser un Naziréen, quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, quelqu'un dont le rasoir n'est jamais passé sur la tête depuis sa jeunesse, depuis sa naissance. Donc, qui a énormément de cheveux, une grosse touffe de cheveux, certainement très durs. Ce n'est pas aujourd'hui où on a les tondeuses, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de tondeuse, donc c'était certainement la lame. On coupe les cheveux là. Samson ne se rend pas compte. Il dort. Il y a un problème. Donc, frère, faisons attention. Faites attention dans le choix. Et la Bible nous dit qu'elle va l'endormir. Et on nous dit, elle le rasa. Elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença à le dompter. Sa force partit. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était détourné de lui. Vous voyez? Donc, le mauvais choix d'une femme peut faire en sorte que tu perdes ta relation avec Yahweh. Voilà le cas de Samson. Lui, il avait perdu sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur l'avait quitté. L'onction d'Elohim l'avait quitté. Au-delà du fait qu'il n'était pas discipliné sexuellement, le Seigneur lui faisait encore grâce d'être avec lui. Mais quand il avait atteint le point de non-retour, c'était trop tard. C'est pourquoi, même dans le choix d'une relation, on peut se rendre bien compte qu'il y a des choix, il y a des relations qui peuvent t'amener à la mort. Il y a des relations qui peuvent t'amener à la mort. Si tu fais le mauvais choix, tu vas aller à la mort, et tu vas perdre ton salut. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on comprend bien en lisant ces versets bibliques que nous avons besoin d'être prudents, d'être attentionnés, de veiller sur le choix de l'épouse, sur le choix de la femme qu'on a envie d'épouser. Parce que si le choix est mal fait, on peut finir comme Samson. David a eu la grâce. Le Seigneur lui a fait grâce que Melchia n'ait pas été pour lui un piège qui l'a amené à sortir de la royauté. Il a eu cette chance. Mais beaucoup ne l'ont pas eu. Vous voyez, beaucoup ne l'ont pas eu. Salomon, fils de David, n'a pas eu cette chance. Vous voyez. Et on nous dit, merci Seigneur, je n'avais pas prévu parler de Salomon. On va regarder. Alors, on va voir l'histoire de Salomon. Alors, Salomon, on va lire un roi. Alors, un roi. Un roi. Un roi, chapitre... Je retrouve le passage. 1 Roi chapitre 3, pardon. 1 Roi chapitre 3, à partir du premier verset.
Or, Shlomo devint le gendre de Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de Yahvé et la muraille de Jérusalem tout autour. Seulement, le peuple sacrifiait dans les hauts lieux. Car jusque-là, on n'avait pas bâti de maison au nom de Yahvé. Et quand vous lisez la suite de l'histoire de Salomon, on va nous dire qu'il va prendre plein de femmes étrangères et il va construire pour chacune de ces femmes étrangères un temple pour son Dieu. Et la première des choses que Salomon avait faites, c'était de pécher contre le Seigneur en désobéissant à un commandement que le Seigneur avait donné, qui disait que lorsque quelqu'un devait être roi, il ne devait pas repartir en Égypte pour prendre des chevaux. Or, c'est ce que Salomon va faire, il va repartir en Égypte pour prendre des chevaux. Et il ne devait pas épouser une femme étrangère. C'est ce que Salomon a fait. Et la Bible nous dit que ces femmes vont devenir pour lui un piège qui vont le détourner du Seigneur. Vous voyez. Il était interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Merci Seigneur encore. On va lire Nombre 17. Vraiment, le Seigneur est bon. Quand il donne comme ça, on s'accroche à sa grâce. On profite. Nombre 17. Si je ne me trompe pas. Alors, nombre 17. Ah non, nombre 25. Merci Seigneur. Nombre 25. Nombre 25, on va lire à partir du premier verset. Le Seigneur nous fait du bien ce soir. Alléluia. Nombre chapitre 25 à partir du premier verset. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Elohim. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Elohim. Israël s'attacha à Baal-Péor. C'est pourquoi la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël. Yahvé dit à Moshe, « Prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant Yahvé en face du soleil afin que la colère de Yahvé se détourne d'Israël. » Moshe dit au juge d'Israël, « Que chaque homme d'entre vous tue ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et quand vous lisez la suite de l'histoire, alors on va essayer de retrouver le passage. Vous allez, pour mieux comprendre le contexte, il faudra lire le chapitre 24. Le chapitre 24, en fait, 23 et 24, vous parle de Balak, d'accord? Balak, roi de Moab, qui va aller appeler Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. Et le Seigneur va refuser de maudire le peuple d'Israël. Et c'est Balaam, le prophète, qui va donner le conseil à Balak que si le peuple d'Israël se livrait à la prostitution, Yahvé les frapperait. Donc on va essayer de retrouver la référence. Que si se livrait aux femmes étrangères et à la prostitution, Yahvé les frapperait. Alors j'essaie de retrouver le passage. C'est au chapitre 31. Alors, j'essaie de retrouver rapidement le verset. Au verset 16. On va lire à partir du verset 14 pour qu'on cerne mieux le sens. Hein. À partir du verset 14, Nombre 31 à partir du verset 14. Moshe se mit en grande colère contre les officiers de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui venaient de cet exploit de la guerre. Moshe leur dit... « Avez-vous laissé vivre toutes les femelles ?» Verset 16, on descend. « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, sont devenues pour les fils d'Israël une cause de transgression contre Yahvé dans l'affaire de Péor et une plaie sur l'assemblée de Yahvé. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits et tuez toute femme qui a connu un homme en s'entendant sur un mâle en s'étendant sur un mâle pour une relation sexuelle. C'est comme ça que le Seigneur va demander à ce qu'on tue. Et vous allez, quand vous lisez l'histoire, Nombre 31, vous pourrez lire à la maison, vous pouvez noter, vous allez vous rendre compte que Balaam lui-même va être tué. Il va être tué parce que c'est lui qui avait donné ce conseil, comme on l'a lu en haut, d'envoyer les filles de Péor, les filles de Madian, pour aller séduire les enfants d'Israël, les amener à adorer leur Dieu. Donc, le risque aussi d'avoir une femme, une mauvaise femme, une femme étrangère,
c'est d'avoir justement une femme qui va t'amener à adorer son Dieu. Si tu as une femme qui aime les boîtes de nuit, elle va t'amener à aimer les boîtes de nuit. Si tu as une femme qui aime les bars, elle va t'amener à aller au bar. Si tu as une femme qui aime des pratiques bizarres, une femme qui va te dire que non, moi je veux qu'on vit une vie maritale libre, c'est-à-dire que je suis libre d'aller avec qui je veux, tu es libre d'aller avec qui tu veux, mais nous sommes mariés. Elle va t'amener dans la bestialité. Et tu vas attraper des maladies, des démons. Et ta vie va être détruite. Pourquoi ? Parce que tu auras choisi la mauvaise femme. Frères et sœurs, c'est important. C'est vraiment important de faire attention au choix du conjoint. On va lire un autre texte. Merci Seigneur, vraiment ce soir le Seigneur nous fait du bien. Personnellement, il me fait du bien. Un roi, chapitre 18. Un roi, chapitre 18, on va lire à partir du... j'essaie de retrouver le passage. Alors, c'est peut-être un peu plus bas. Merci Seigneur. Alors, j'essaie de retrouver. Je ne suis pas loin. Alors, on va lire 1 Roi chapitre 18. Je pense qu'on va retrouver la référence là-bas. 1 Roi chapitre 18. On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset... À partir du verset 14. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 14. Vous savez, frères et sœurs, nous ne préparons pas les enseignements à l'avance, hein, du moins tout le temps. Vous voyez, le Seigneur nous conduit comme ça, on partage dans la simplicité. On ne prépare pas introduction, développement, on suit le Seigneur et puis on partage ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Et maintenant, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Elia, il me tuera. Elia dit, Yahweh Tsaroth, en face de qui je me tiens, debout et vivant. Oui, aujourd'hui je me montrerai à lui. Obadia, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Akab alla au devant d'Elia ou d'Élie. Il arriva que quand Akab vit Elia, Akab lui dit, « Est-ce toi qui troubles Israël ?» Verset 18. Il dit, « Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandes de Yahweh et que vous êtes allé après les Balaïm. » Les Balaïm, les dieux étrangers. Verset 19. « Maintenant envoie, fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » La femme d'Akab. Donc, Akab avait épousé Jézabel. Alors, qui était Jézabel? Jézabel était la fille du roi de Sidon. Donc, c'était une Sidonienne. Or, les Sidoniens étaient issus des enfants de Job, le petit-fils de Job qui avait été maudit, qui avait mis au monde Sidon. Donc, c'était un peuple maudit, c'était l'abondance, c'était un peuple étranger, mais c'était la descendance d'un petit-fils qui avait été maudit par Job. Vous voyez? Et donc, Akab va épouser cette femme-là. Et cette femme-là va amener Akab à adorer les Baal et les Astartés et les Asherah. Et elle avait quoi? 450 faux prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Asherah qui mangeaient à la table de Jézabel. Ça veut dire que toute la richesse du roi était concentrée à nourrir les prophètes de Baal et d'Asherah qui étaient au service de Jézabel. Et regardez, vous allez voir qui était cette femme. Vous allez voir comment elle était dangereuse. On va lire à la suite. Chapitre 19, à partir du premier verset. On est dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du premier verset. 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset.
Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élia avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel, c'est pas le roi, hein, et Jézabel envoya un messager vers Élia, un prophète d'Élohim, un prophète de Dieu, pour lui dire qu'ainsi me traitent les Élohim et qu'ainsi qu'il y ajoute, si demain à cette heure-ci, je ne me sers pas de ton âme comme l'âme d'un d'eux. Et voyant cela, il s'éleva et s'en alla pour son âme. Il arriva à Beersheba qui appartenait à Yehuda, et là il laissa son serviteur. Jusqu'à ce que Élie va demander la mort à Elohim à cause de cette femme-là. C'est-à-dire que c'était trop. Elle avait tellement de pression. Et vous allez voir la suite. Vous allez voir comment cette femme dirigeait son mari. On va lire au chapitre 21. Chapitre 21, on va lire à partir du premier verset. À partir du premier verset, chapitre 21. Nombre 21. Pardon, 1 Roi 21, désolé. Je vous ai 1 Roi 21. 1 Roi 21 à partir du premier verset. Je pense que c'est là où on était, non? 1 Roi 21. Ok. Et voici ce qui arriva après ces choses. Naboth de Israël, avait une vigne à Israël, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Mais Naboth dit à Akab, « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison maussade et furieux à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et Israël, en disant, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea pas de pain. C'était un garçon capricieux. Verset 5. Alors Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, d'où vient que ton esprit est si maussade et pourquoi ne manges-tu pas? Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Israël et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai, moi Jézabel, je te donnerai la vigne de Naboth de Israël. C'est la femme qui prend l'initiative. Et elle écrivit au nom d'Akab, au nom de son mari, des lettres qu'elle scella du sceau du roi, et elle envoya ces lettres aux anciens et nobles qui habitaient avec Naboth dans la ville. Elle écrivit dans les lettres, disant, « Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mettez face à lui deux hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui en disant, « Tu as maudit Elohim et le roi, puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. » Voilà une femme dangereuse. Si vous épousez une femme comme ça, frères et sœurs, vous êtes cuits. Or, l'esprit de Jézabel continue d'agir. C'est un esprit. La Bible nous parle de l'esprit de Jézabel. Vous voyez? La Bible nous parle de l'esprit de Jézabel. Ça veut dire que la pensée de cette femme, c'est aussi un esprit qui aujourd'hui continue de travailler dans les cœurs des humains, dans les cœurs de certaines femmes, pour les amener à détruire les vies. Quand vous voyez, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a... Vous voyez parfois un père de famille qui a vécu 20 ans de mariage avec sa femme. Ils ont eu des enfants. Le couple était serein. Et puis le monsieur a dévié. Il a rencontré une jeune fille de 18 ans. Et la jeune fille de 18 ans, là, tient le monsieur par le bout du nez. Au point où le monsieur, la fille, peut lui dire devant les gens que... Quitte-la, je ne veux plus te voir, tu me fatigues. Il fait pitié, il devient comme un animal devant cette fille qui le tient. La fille parle même mal de lui comme ça devant les gens. Il est là, il fait pitié, il attend même dans le noir pour voir la fille. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'esprit de Jézabel. C'est un esprit de contrôle, c'est des esprits qui contrôlent ces femmes-là, la sirène des eaux, l'esprit de Jézabel, qui manipule ces femmes pour détruire la vie des hommes. Et si vous épousez une telle femme, frères et sœurs, frère, pas sœur, frère, vous êtes mort, vous êtes cuit dans le ministère.
Vous êtes cuit dans votre marche chrétienne. Même si vous n'êtes pas converti, vous êtes cuit parce que votre vie ne sera que fardeau, pleurs, échecs, larmes, souffrances, désolation et ruine. Il y a des hommes qui étaient riches qui sont devenus pauvres parce qu'ils ont épousé la mauvaise femme. Il y a des hommes qui étaient en bonne santé, qui ont fait des AVC, ils ont fait des AVC successifs à cause des soucis que les femmes leur amènent à la maison. Il y a des hommes qui ont abandonné leur femme, prendre des femmes, et le jour où ils ont perdu l'emploi, la femme l'a quitté. Il a détruit ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont épousé les mauvaises femmes. Beaucoup aujourd'hui, le socle familial est détruit. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes font des mauvais choix. Parce que beaucoup d'hommes épousent des mauvaises femmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la crainte de Yahweh s'est éloignée des cœurs. Parce que le monde est tellement rentré dans l'église que les hommes ont gardé des principes charnels, diaboliques et humains pour faire le choix des femmes. Les hommes regardent des femmes qui mettent des longs ongles, qui ont toujours des beaux ongles, qui ont toujours les tissages, qui sont toujours tellement poncés. Ils veulent avoir des femmes comme ça, des femmes qui ont la peau claire. Je ne dis pas qu'avoir une femme qui a la peau claire, c'est un péché. Mais souvent, les gens sont tellement attirés parce qu'ils voient à la télé, par les modèles que l'Occident nous donne, qu'aujourd'hui, même les Africains qui sont de peau noire veulent avoir des femmes qui sont occidentalisées. Et pour ça, ils sont prêts à épouser des femmes qui se dépigmentent, des femmes qui aiment passer des heures devant le miroir. Mais qu'est-ce que vous voulez en tirer ? Qu'est-ce que vous voulez en tirer ? On voit aujourd'hui des hommes qui sont prêts à épouser des femmes qui les trompent n'importe comment. La femme le trompe avec ses amis, mais il est tellement omnibulé qu'il est prêt à l'épouser. Il l'épouse malgré le fait que les gens l'interpellent pour dire « Mais mon ami, regarde quand même !» Mais il est tellement omnibulé. Et voilà des hommes qui détruisent. On voit tellement aujourd'hui de mariages, des gens qui se marient aujourd'hui. 3 mois plus tard, ils divorcent. Et même dans le milieu chrétien, pourquoi ? Parce que la chair est trop rentrée. Parce que le milieu chrétien a été infiltré par l'ennemi et la parole de Dieu n'est plus posée au centre. Les enseignements bibliques ne sont plus donnés aux véritables enfants du Seigneur pour les aider à comprendre la pensée du Seigneur pour leur vie. Et j'interpelle mes frères, prédicateurs de la parole, les enseignants de la parole, les pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, vous qui avez reçu la charge d'enseigner le peuple de Dieu, je vous en supplie, frères, faisons le travail du Seigneur comme le Seigneur veut qu'on le fasse, en disant au peuple toute la vérité, sans chercher à attendre que le peuple soit gentil avec nous parce qu'on veut de l'argent. Parce que ces âmes appartiennent à Jésus. Et si ces âmes vont en enfer parce que le travail a été mal fait, Dieu nous demandera des comptes et on peut se retrouver nous-mêmes en enfer. La Bible nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. C'est une interpellation. C'est un appel à mes frères, aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux évangiles et à tous les chrétiens aussi qui partagent la parole. Parce que nous sommes tous appelés à partager la parole à gauche, à droite, à partager la parole pure et à interpeller les uns et les autres. Et surtout à dire aux chrétiens, il n'y a pas de divorce dans notre royaume. Si tu divorces, ce que la Bible te concède, tu ne te remaries pas jusqu'à ce que la Bible, le Seigneur te libère de ton engagement par la mort. Soit ta mort, soit la mort de ton conjoint. Mais on ne prie pas aussi pour la mort de l'autre. C'est aussi interdit. La Bible dit « Bénissez vos ennemis ». Priez pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous ont fait du mal. Donc on ne prie pas pour la mort. On prie pour bénir, on prie pour la transformation du cœur de l'autre et s'il est possible de se remettre ensemble. Mais il n'y a pas de divorce et de remariage tant que les deux conjoints sont vivants. Voyez, frères et sœurs, c'est vraiment important que les chrétiens comprennent ces choses-là, que les uns et les autres comprennent que le choix d'un conjoint est vital. C'est vraiment vital. C'est vraiment, vraiment, vraiment vital. Voyez, on va lire un passage. On va lire 2 ou 3 passages encore avant de clôturer. Alors, on va lire Proverbe chapitre 5, à partir du premier verset.
Proverbe chapitre 5 à partir du premier verset. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence, afin que tu gardes mes voies et que tes lèvres conservent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent des rayons de miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais, à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, tranchant comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le Sheol. Elle n'aplanit pas le chemin de la vie. Ses pieds sont errants sans que tu le saches, sans que tu le saches. Maintenant, fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas de la parole de ma bouche. Éloigne ton chemin de la femme étrangère et n'approche pas l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ta splendeur à d'autres et tes années à celui qui est cruel. De peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens et que le fruit de ton travail ne soit à la maison d'un étranger. De peur que tu ne gémisses quand tu seras près de la fin, quand ta chair et ton corps seront consumés, c'est-à-dire quand tu seras vieux. Tu diras alors, comment ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il méprisé les réprimandes? Comment n'ai-je pas obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient? Et n'ai-je pas incliné mon oreille à ceux qui m'enseignaient. J'ai été presque plongé dans toutes sortes de maux au milieu de la congrégation de l'assemblée. Vous voyez? Et qui écrit ce proverbe? C'est Salomon. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin de sa vie. Il se rend compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs et il donne ce conseil à ses fils. Et aujourd'hui, par ricochet, le Seigneur aussi nous donne ses conseils pour notre vie. C'est vraiment important, frères et sœurs. C'est vraiment important de comprendre que le choix d'une épouse n'est pas épouser une étrangère. Aujourd'hui, c'est quoi une étrangère? Une étrangère, c'est quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur. C'est plus comme pour les enfants d'Israël, où pour les enfants d'Israël à l'époque, épouser une étrangère, c'est épouser quelqu'un qui n'est pas de nation juive. Vous voyez? Mais pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, membres du corps de Christ, épouser une étrangère, c'est épouser quelqu'un qui n'est pas du royaume de Dieu, quelqu'un qui est étranger au royaume. Or, quelqu'un peut fréquenter des assemblées locales, mais être étranger au royaume de Dieu. Ne pas être converti, ne pas avoir la crainte de Dieu, ne pas aimer le Seigneur, vous voyez. Au-delà de ce que vous la voyez, mettre les longues jupes, mettre les longs habits, chanter, pleurer, crier, lire la Bible, elle peut être du diable. C'est clair. Et on le vit de plus en plus chaque jour dans le milieu chrétien. On va lire un autre passage. Proverbe chapitre 7, à partir du premier verset. Proverbe 7, à partir du premier verset. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde ma Torah comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma mère. Et appelle le discernement ton parent. Afin qu'il te préserve de la femme étrangère. Le discernement, la sagesse, va te préserver de la femme étrangère. Afin qu'il te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Des paroles doucereuses, mielleuses, comme on a lu, des paroles doucereuses, des paroles qui sont douces au début, mais à la fin, ça devient amer comme de l'absinthe. Verset 6. Comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi les stupides, j'aperçus parmi les fils un jeune homme qui manquait de cœur. Verset 8. Il passait dans la rue, près de son angle, et il marchait sur le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Et elles sont pleines comme ça. Il y en a beaucoup, hein, frère. Plein de femmes avec la ruse dans le cœur. Et il y a aussi beaucoup de femmes simples que le Seigneur a choisies. Oui, mais souvent, l'homme n'aime pas ce qui est simple. Il veut des choses qui sont compliquées. Verset 11. Elle était bruyante. Donc, vous voyez, on nous donne les caractéristiques. Elle était bruyante et rebelle. Donc, il ne faut pas épouser les femmes rebelles.
rebelle à ses parents, une femme qui n'est pas soumise à ses parents, il ne faut pas l'épouser. Comment vous pouvez... Si une femme ne se soumet pas à ses parents qui l'ont mis au monde, tu penses que c'est toi qui l'as épousée, à qui elle va se soumettre? Jamais. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Une femme qui n'aime pas rester à la maison. Il y a des femmes comme ça. Elles sont toujours dehors, toujours partout, toujours en balade, toujours... Elles ne sont jamais à la maison. Elles passent le temps qu'à l'église. Frère, une femme que tu vois qui passe le temps qu'à l'église, quand vous serez marié, elle va t'abandonner à la maison pour passer le temps à l'église. Elle ne va pas s'occuper de tes enfants. Tu vas rentrer le soir du travail, la nourriture ne sera pas prête. Elle sera chez le pasteur, en train de s'occuper de la maison du pasteur et laisser ta maison. Verset 12. Tantôt dehors, tantôt sur les places, elle était en embuscade à chaque coin de rue. C'est une calculatrice. Elle le saisit et l'embrassa. Et avec une face forte, lui dit... J'ai chez moi des sacrifices d'offrandes de paix. Vous voyez, elle renvoie ça à la loi de Yahweh. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher ta face. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvre-pied, d'étoffe de fil d'Égypte. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Et... d'amour jusqu'au matin. Faisons-nous plaisir avec l'objet aimé. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris dans sa main un sac d'argent. Au jour de la pleine lune, il viendra dans sa maison. Elle le détourna par l'abondance de sa manière de persuader. Elle l'entraîna par ses paroles flatteuses. Soudain, il s'en alla après elle comme un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou que l'on lit pour le corriger, jusqu'à ce que la flèche lui ait transpercé le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir qu'il va de son âme. Maintenant, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car... Elle en a fait tomber beaucoup, blessés à mort. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol qui descend vers les chambres de la mort. Quand vous voyez une sœur dans les églises, qui a déjà fait tomber un frère, deux frères, trois frères, quatre frères, toi tu vas aller la prendre. Frère, enlève ton corps. Laisse le Seigneur la guérir. Peut-être qu'elle est convertie et qu'il y a des problèmes qui font qu'elle tombe, mais laisse le Seigneur la guérir. Frère, parce que tu t'engages dans ça là, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Donc, frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous. Une exhortation, un enseignement, pardon, sur le choix de sa femme, le choix de la personne avec qui on veut vivre. Pour être attentif aux voies du Seigneur, pour réussir, tu choisis une mauvaise femme, tu vas te tromper, tu vas mourir. On va lire Proverbe 31 pour terminer. Proverbe 31 à partir du verset 10. Il pleut un peu, je ne sais plus si on nous entend très bien, mais on va terminer avec Proverbe 31 à partir du verset 10. Alléluia. Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. On va voir les caractéristiques, parce qu'on a quand même parlé des caractéristiques des mauvaises femmes, mais on va voir les caractéristiques de la femme selon Yahweh. Voilà. Parce que c'est bien de clôturer avec une note qui donne une directive aux frères et aux sœurs. Voilà. Parce que les sœurs aussi, elles peuvent aider leurs frères. Hein, qui veulent se marier, des frères dans la foi pour avertir, pour interpeller. Donc c'est pourquoi cet enseignement concerne tout le monde, les frères qui épousent, mais aussi d'abord, et aussi les frères qui épousent, mais aussi tout le monde, tous les chrétiens. Qui trouvera une femme talentueuse? Car son prix surpasse beaucoup de perles. Verset 11, le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Ainsi, il ne manque pas de butin. Vous voyez, une femme, une bonne femme doit produire la confiance dans le cœur de son mari. C'est-à-dire, tu peux partir sur site tranquillement, tu n'as pas de soucis. Moi, j'écoute hein, les histoires qu'on raconte quand les gens vont sur site. Il y a des gens qui font la tension là-bas, les hausses des tensions, parce qu'ils savent que la femme qu'il a, c'est une femme qui peut le tromper, qu'il a déjà trompé, qui le trompe. Donc, quand il appelle à la maison pendant une heure, deux heures, trois heures, que la femme ne décroche pas le téléphone, parfois, il fait l'AVC. Il y en a qu'on évacue par hélicoptère. Parce qu'ils ont ces soucis-là. Vous connaissez ces histoires. Des couples qui sont déchirés parce qu'à chaque fois que le mari va sur site, la femme trompe. La Bible nous dit que le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Ainsi, il ne manque pas de butin. Vous voyez?
Le mari ne manque pas de butin. Pourquoi ? Parce qu'il peut aller travailler tranquillement, s'occuper de faire les choses du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, aller en mission, prêcher l'évangile, parce qu'il sait que la femme qu'il a laissée à la maison craint le Seigneur et va s'atteler à affermir sa relation avec le Seigneur. Verset 12. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin et elle travaille de bon cœur avec ses pommes. Vous voyez, contribue à aider son mari pour les besoins de la maison. Elle est comme les navires d'un marchand. Elle amène sa nourriture de loin. C'est une femme qui travaille. Elle n'a pas les longs ongles. Hein? Il y a des femmes, même elles ne peuvent même plus attraper les habits tellement elles ont les longs ongles. Frère, n'épousez pas ce genre de chrétiennes qui ont les longs ongles, qui ne veulent plus laver le linge, qui veulent que la machine. Le jour où tu n'auras plus les moyens pour payer la machine, tu vas faire comment? Elle va faire comment? Elle va te quitter? Femme avec les longs ongles, femme chrétienne avec les longs ongles, on dirait, le chat ou bien le lion. C'est quoi ça? Le monde est tellement rentré. Vous voyez? Une femme qui ne peut plus tenir le linge, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Une femme qui a te dit que non, moi, si tu m'épouses, il faut qu'il y ait la ménagère. Mais le jour où tu n'auras plus les moyens pour payer la ménagère, le jour où sera la retraite, tu seras à la retraite, tu feras comment? Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Elle distribue la nourriture à sa maison et elle donne à ses servantes leur portion. Elle pense à un champ et le prend. Elle plante la vigne du fruit de ses pommes. Donc, c'est une travailleuse. Elle s'insère de force et affermit ses bras. Elle sent que son trafic est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle étend les mains vers les quenouilles et ses pommes tiennent le fuseau. Le fuseau. Donc, elle travaille. Elle fait le linge. Le fuseau, c'est pour coudre le linge. Pour faire les tissus, pardon. Elle déploie ses pommes pour le pauvre. Elle étend les bras vers l'indigent. Ça veut dire que c'est une femme qui a la compassion pour les gens. Elle peut recevoir tes parents à la maison. Pas une femme qui va te dire, je ne veux pas voir tes parents à la maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Ça veut dire qu'elle s'occupe de sa maison. Elle se fait des couvre-pieds. Le fin lin et le pourpre sont ce dont elle s'habille. Son mari est connu aux portes. Il s'assied avec les anciens de la terre. Pourquoi? Parce que son mari est tranquille, il peut s'occuper et il est honoré à cause de sa femme. Verset 24, elle fait des chemises et les vend et livre des ceintures aux marchands. Force et splendeur sont ses vêtements. Elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. Verset 27, elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Il y a des femmes, moi je vois des femmes qui passent le temps à aller mendier et encourager leur mari à être des mendiants. Mais je ne peux pas comprendre comment une femme peut encourager son mari à aller de maison en maison, à aller demander. Une fois en passant, parce qu'on est dans la difficulté, deux fois, quelques fois en passant. Mais il y a des hommes qui sont devenus des mendiants perpétuels. Alors qu'il y a la terre, au Gabon, tu peux planter même au sable avec un peu d'engrais, tu vas avoir à manger. Les femmes encouragent et elles deviennent même des menteuses pour monter des motifs sur les enfants, pour avoir de l'argent. Mais vous êtes dangereuses et le Seigneur va vous demander des comptes. Vous encouragez vos maris dans le menton, dans le mensonge et la bêtise. Et des femmes qui se disent même chrétiennes. On le voit dans les milieux chrétiens, frère. Je vous rassure, vous allez penser que je suis dû. Ce sont des choses qu'on vit. Des femmes qui viennent arnaquer d'autres chrétiens au nom des enfants et avec le soutien du mari. C'est grave. Nous sommes à la fin des temps. Ouais. Verset 28, on dit, « Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son mari pour la louer. Beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. » Frères et sœurs, voilà la femme. La femme, selon Elohim, c'est la femme que vous devez chercher. Mais cette femme-là, il y a déjà des signaux, il y a des symboles, il y a des éléments que le Seigneur nous donne dans la vie de tous les jours. Mais il faut aussi prier. Il faut prier parce qu'il n'y a que le Seigneur qui connaît les cœurs des hommes. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement pour pouvoir identifier les caractéristiques du Seigneur. Et vous savez aussi, une autre chose qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de repères. La structure familiale aujourd'hui est détruite. Dans les églises, il n'y a plus de confiance. Mais
Nous disons quand même aux enfants du Seigneur que regardez autour de vous, le Seigneur met toujours 1, 2, 3, 4, 10, 5, 15, 20, 50 personnes en fonction de là où vous êtes qui peuvent vous aider, vous accompagner dans ce choix. Allez vous donner des conseils parce qu'il y a des gens qui ont quand même une expérience de la vie dont vous voyez les fruits, malgré certains manquements, mais vous voyez des fruits, des couples qui craignent Dieu, qui ont traversé des situations difficiles. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je n'encourage pas l'adultère, mais vous voyez clairement qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a des problèmes parce que même à l'époque de nos parents, on a rarement vu des femmes quitter le foyer parce que le mari l'avait trompée. Je n'encourage pas l'adultère. La Bible n'encourage pas l'adultère. Je ne suis pas en train de dire au mari, allez tromper vos femmes et que vos femmes soient éprouvées. Non. Je dis simplement que c'est un signe qui nous montre qu'aujourd'hui, il y a un problème. Très peu de femmes chrétiennes peuvent supporter l'adultère. Il y a un problème. Il y a besoin que les femmes soient enseignées, soit au pied de Jésus, soit des femmes, des modèles comme Sarah. Tire l'exemple de Sarah. Tire l'exemple des autres femmes dans la Bible. Des femmes qui ont craint le Seigneur, qui ont été des modèles. Des femmes comme Abigail. Vous voyez, on n'a pas eu le temps de parler de cette femme. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de son histoire. Une femme qui a été une source de bénédiction pour son mari et pour son peuple. Même si après le Seigneur s'est occupé de frapper le mari lorsque David voulait venir tuer son mari. Vous voyez. Et à cause de le cœur de cette femme, David l'a prise pour femme. Vous voyez, donc, cherchez des bonnes femmes, mais au pied du Seigneur. Ne regardez pas ce qui est futile. Ne regardez pas à la beauté. Je crois que tout le monde a envie d'avoir une belle femme, mais la beauté, elle n'est pas d'abord physique. Elle est d'abord morale, spirituelle, mentale, psychique. Elle est dans le caractère, dans l'éducation. Elle est dans les valeurs morales que la personne porte, dans la crainte de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur permet, on aura encore une autre émission. On vous fera des annonces, comme on le dit. Voilà. Donc, Yahweh vous garde, que Yahweh nous garde tous, en espérant que cette parole vous a encouragé, édifié, et surtout que chacun prenne sa part et aille au pied du Seigneur. Si tu t'es engagé dans une histoire et que tu sens que le Seigneur ne veut pas que tu sois dedans, sors. Arrête. Si tu regardes une sœur et que tu sais que ce n'est pas bon dans ton cœur, laisse. Prends le temps de prier. Tu veux t'engager dans une affaire, tu penses que c'est bon. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Consulte le Seigneur. Consulte aussi les frères et sœurs. Renseigne-toi dans le quartier par rapport à la femme que tu veux épouser, son témoignage dans le quartier. Renseigne-toi dans sa famille. Et le problème, c'est que dans le milieu chrétien, les gens épousent des femmes qu'ils ne rencontrent qu'à l'église. Ils ne fréquentent pas la famille. Ils ne fréquentent pas la famille de la femme. Ils ne cherchent pas à savoir qui sont ses amis, comment elle est dans son travail, dans son quartier. Ils se rencontrent qu'à l'église, frères, sœurs. Et c'est ça l'un des maux aujourd'hui dans les églises. Il faut rompre avec tout ça. Il faut développer une relation d'amitié et connaître qui sont les amis autour de la femme que tu veux épouser. Et ce seront des signaux, tu auras des éléments qui te permettront, même lorsqu'elle craint le Seigneur, de connaître quelles sont ses faiblesses, ses forces, et pouvoir l'aider à grandir avec le Seigneur. Donc soyez bénis chez vous, que Yahweh vous garde, et à la prochaine, si Dieu le permet. Bonne soirée.